Et je vais entrer dans le vif du sujet prévu parce que nous avons pas mal de choses intéressantes à développer. Donc, le premier paragraphe, je me suis préparé des points de repère, c'est donc la gare. La gare de Saint-Pierre-d'Aurillac a été construite au moment avec la voie ferrée, la ligne Bordeaux 7, autour des années avant et après 1860. Il est évident que cette ligne Bordeaux 7 a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts humains, parce qu'il a fallu, il n'y avait pas les machines actuelles pour faire les remblais et les déblais. Les travaux ont été même colossaux. Alors, d'abord, une petite parenthèse, il faut toujours apporter certaines précisions. La ligne Bordeaux 7 faisait partie du réseau du Midi pour la répartition dans la construction des voies ferrées qui a duré des dizaines d'années en France. Et alors, ce réseau du Midi avait donc pour principale ligne Bordeaux 7 et après Marseille avec le PLEM et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais ce réseau du Midi, j'y reviens, a demandé de la part des constructeurs des efforts colossaux. On appelait 7 avec l'orthographe CE2TE, Bordeaux 7. Même sur les cartes, les planisphères, 7, c'était son inscription d'origine. Puis après, on trouvait que ça n'allait pas, que ce n'était pas assez attachant, ça ressemblait à toute la série des adjectifs démonstratifs. Bon. On a changé l'orthographe, on a écrit 7, le nom de la ville, S-E, accent grave, T-E, ce qui est l'orthographe actuelle. Bon, cette petite précision dite, je rentre évidemment dans la construction de la gare, d'abord, qui a suivi la construction de la voie ferrée. Et c'était le temps de la machine à vapeur qui a demandé beaucoup de précision. Après, la force de la vapeur découverte et mise en application par l'anglais George Stephenson et qui a été perfectionnée par l'ingénieur français à partir de 1850, Seguin. C'est Seguin, le constructeur en France des véritables machines à vapeur. Les machines que j'ai connues comme tout le monde, les machines de mon enfance, qui crachaient de la fumée, qui avertissaient quand elles franchissaient un pont, un petit viaduc ou les viaducs de l'Aréole. Et alors, il faut reconnaître que la gare de Saint-Pierre, comme toutes les gares le long de la ligne, ce fut à cette époque un poumon pour les communes. D'abord, au point de vue humain, ça a facilité les transports de personnes. Au point de vue matériaux, tout passait par la gare, par la voie ferrée. Et j'ai souvenance, même depuis ma petite enfance, d'être allé plusieurs fois avec mon père à Bordeaux et on allait prendre le train à Saint-Pierre. C'était cette gare, pour moi, ça a toujours été l'avant-garde du progrès à cette époque, parce que quand il y avait des trains omnibus qui desservaient toutes les communes,
il y avait dans la journée 5 trains dans chaque sens pour transporter des personnes jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Agen. Et 5 trains, ça faisait quand même 10 passages. Il fallait donc que les gares soient organisées et aient un matériel pour sécuriser la vie des voyageurs. Par exemple, à Saint-Pierre, le chef de gare habitait au premier étage. Mais il y avait 3 pièces en bas et il y avait le bureau du chef de gare, il y avait la salle d'attente et il y avait à côté, du côté de l'Est, ça m'a toujours fait sourire, du côté de Saint-Martin de Sesca, une autre pièce dans laquelle couchait le remplaçant du chef de gare, 1 ou 2 jours par semaine. Et alors, cet employé des chemins de fer, comme nous disions à l'époque, quand il faisait les déplacements, il faisait suivre son lit métallique pliant. Et il dormait dans un petit lit comme dans un hôpital. Il lui fallait le minimum pour assurer sa vie, c'est tout. Et alors, tout ça, c'était très intéressant. Ça attirait du monde le matin, surtout. En ce sens que le premier train qui arrivait de Bordeaux, autour de 7 heures, entre 6h30 et 7 heures solaires, nous ne parlions pas de décalage d'heure, de la vieille et de la nouvelle, comme ce fut plus tard. Et alors, la gare de Saint-Pierre-d'Aurillac était un lieu de rendez-vous. Les trains se croisaient depuis un allant à Bordeaux, l'autre venant de Bordeaux, portant le courrier dans un sac plombé et les journaux. Il y avait beaucoup d'abonnés au journal La France et au journal La Petite Gironde. Et puis il y avait à Saint-Pierre la porteuse de journaux, la distributrice, comme nous avons maintenant de bonheur. Elle habitait Saint-Pierre, c'était une vieille fille qui a assuré le service au moins 40 ans, je l'ai toujours connue, même pendant 40 ans, ça fait quand même des années successives, et elle n'avait pas de remplaçant, et elle ne prenait pas de congé payé à l'époque, ça n'existait pas. Cette vieille fille s'appelait Yvonne Jamet. Jamette, J-A-M-E-T. Et elle prenait ses journaux, elle partait à bicyclette, un sac sur le porte-bagages derrière, un sac sur le porte-bagages devant. Elle faisait à peu près tout Saint-Pierre et une partie de Saint-Martin de Sesca. Mais la partie intéressante dans la gare de Saint-Pierre-d'Aurillac, c'était les discussions du matin. Il y avait les gens du bourg qui venaient prendre le... Yvonne savait qu'ils prenaient le journal, il les payait comme les autres en fin de mois, et ils venaient chercher le journal à la gare, sitôt qu'il était arrivé, Yvonne leur donnait dans la gare. Il y avait des assidus pour ça, par exemple Arthur Fournier, qui habitait à la maison où habite maintenant, et la mère de Jean Corbanèse, du maire, Arthur Fournier, sa famille. Nous y reviendrons, entre parenthèses, sur cette maison. Il y avait Édouard Castel, il y avait René Deneil, des gens qui un peu évoluaient, je dirais, cérébralement, qui aimait bien lire le journal, les nouvelles et toutes les transformations qui se faisaient un mois après l'autre. Donc, après, c'était l'éparpillement, parce que le facteur Jean Loriol s'en allait vite à la poste, trier le courrier, il faisait la tournée du matin à bicyclette, il revenait chez lui prendre le repas. Il se rendait à la gare
au train de 3 heures, comme on disait, c'était peut-être quelquefois 3 heures et demie, 4 heures. Il faisait la levée des boîtes aux lettres 2 levées par jour dans toute la commune, et il revenait porter le courrier pour Bordeaux, au centre de tri de Bordeaux, au train du soir à 6h30. Été comme hiver. Et je vous prie de croire que le facteur, à cette époque, à bicyclette, avec surtout les côtes jusqu'à la limite de Saint-André-du-Bois, n'avait pas à s'amuser. Voilà. Et j'ai un souvenir relativement heureux de Jean Loriol, facteur à Saint-Pierre-d'Aurillac. Il était toujours de bonne rencontre. C'était un homme aimable et charmant. Il a de la descendance, d'ailleurs, je crois, encore dans notre petit coin du Langonnet, à Sauternes ou à Fargues. Il y a un fils de Jean Loriol qui est plus jeune que moi, mais cependant âgé, relativement âgé. Il y a quelques années, j'ai entendu parler de lui encore dans le Sauternes. Et alors, bon, j'en ai terminé pour le déplacement des personnes. Maintenant, passons au déplacement, au transport des marchandises. Bon, les wagons de voyageurs. Pour les voyageurs, les plateformes et les wagons fermés pour les marchandises. Alors là, il y avait, ça dépendait des jours de la semaine, il y avait un travail assez assidu qui demandait, en plus du personnel contrôlé par le chef de gare, 3, 4 cheminots qui avaient du travail à la gare de Saint-Pierre à charger les wagons, à décharger les wagons, à les plomber, à les fermer, les ouvrir, à avertir pour venir poser. Il y avait donc, devant la gare de Saint-Pierre, il n'y a plus que 2 voies. Mais avant, il y avait une voie centrale au milieu et 2 voies latérales. La voie latérale au sud était destiné au chargement et déchargement des marchandises. Alors, les wagons, la locomotive faisant la manœuvre, les wagons refoulaient les wagons vides, prêts à charger sous la marquise, qui est l'emplacement existe encore, et la voie ferrée, même le tracé de la voie ferrée, avec en travers le fameux butoir avec des grosses pierres. Bon, d'un côté, voilà une voie pour charger et décharger. Vers le nord, il y avait aussi une voie de chargement et de déchargement. L'emplacement existe encore. En me promenant, souvent, je cherchais, mais j'ai retrouvé l'emplacement. C'était uniquement cet emplacement pour le chargement des wagons de pierre qui partaient à Bordeaux, dans la région bordelaise, pour la construction des maisons. Des petites échoppes, je dis bien, des petites échoppes autour de la gare Saint-Jean. J'ai connu la vie dans ces petites échoppes autour de la gare Saint-Jean par l'intermédiaire d'un grand oncle qui travaillait à Bordeaux. Il avait été, lors d'un accident, amputé du bras droit et il n'avait que le bras gauche. Il était portier dans le centre administratif de Bordeaux, en sortant de la gare Saint-Jean, en allant vers la... Il y avait tous les services administratifs de la fameuse compagnie du Midi, et là, ces petites échoppes pour loger les cheminots qui travaillaient.
à Bordeaux et à la gare de marchandises. Elles existent encore. Il y a la rue de Nérac, il y a la rue de la Réole, il y a la rue de Langon, tout est dans le coin, là. Je vais vous dire que je connais très bien ce quartier puisque j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, j'habitais rue Fieffé et mon père était cheminot. Ah bon? Je vous remercie de m'avoir laissé parler, mais je Ouais. crois que Ouais. nos idées et nos photographies se Tout à rencontrent, fait, nos souvenirs se rencontrent. Oui, voilà. oui. Bon, alors tout ça, c'était. J'étais enfant à cette époque, mais je vous assure que ça a attiré mon attention. Alors, au point de vue commerce, il y avait expédition à Saint-Pierre-de-Rillac. Des barriques de vin. Il y avait expédition dans des wagons fermés des pommes de terre nécessaires à l'armée à cette époque. Il y avait expédition ou réception des wagons de paille, des wagons de fourrage, des sacs de 50 kilos d'engrais. Des sacs de sulfate de cuivre pour préparer la bouillie bordelaise, des sacs de soufre pour envoyer tous ces produits destinés à lutter contre les maladies de la vigne. Et je reconnais que le trafic à Saint-Pierre-de-Rillac était relativement dense. J'oublie culture. Qui est en relation avec la gare de Saint-Pierre-de-Rillac, une culture annuelle, c'est la culture des petits pois. Chez nous, dans mon enfance, je me rappelle de la culture des petits pois, c'était une source de revenus qui permettait aux exploitants, propriétaires, fermiers, métayers, de résister ou de passer l'année, comme on disait autrefois, quand le vin se vendait mal ou quand la récolte avait été mauvaise. J'ajouterai une précision concernant la culture des petits pois, il y avait beaucoup de commerçants qui achetaient les petits pois chez les exploitants agricoles, mais il y avait des commerçants qui avaient jugé à l'époque utile d'envoyer directement leur récolte dans des sacs, 50-60 kilos de petits pois, au marché des Capucins à l'époque. Et alors, il y avait à Saint-Pierre-de-Rillac, comme dans d'autres communes probablement, mais je me rappelle très bien de Saint-Pierre-de-Rillac, une personne âgée à l'époque, Barreau, qui était en même temps pêcheur, qui habitait au port de Saint-Pierre. Et ce Barreau, il s'occupait de remplir les wagons, si l'on peut dire, avec les petits pois en sac. Et sa femme, à côté du wagon, avec une petite chaise, une petite table, sa femme, Alice Barreau, assurait la petite comptabilité. Elle envoyait la feuille, donnait la feuille de route, parce qu'il y avait plusieurs mandataires aux Capucins, et tout se passait très bien. Les mandataires envoyaient l'argent des ventes des petits pois tous les jours aux propriétaires. Il y avait des fluctuations dans les courses suivant les apports. Mais j'ai vu à Saint-Pierre-de-Rillac un wagon pendant un mois et demi de la récolte des petits pois. Et en pleine saison, deux wagons. Alors Barreau était obligé Tous les de. jours, tous les jours. Oui. Était obligé de prendre un homme pour l'aider à charger les wagons. Et Alice assurait la comptabilité. Alors, ce ménage Barreau, je ne m'étonnerai pas, mais je passe tout de suite à la conclusion. Ce sont les, ou c'était les parents
nourricier de l'arrière-grand-mère de Françoise Dupeyrat-Grandjou. Et probablement qu'elle doit être au courant de beaucoup de souvenirs. Je termine là-dessus. Je lui poserai la question. Vous lui poserez la, oui, vous lui poserez la question. Alors, j'ajoute toujours une petite précision, mais enfin, c'est dans mon caractère et dans mon tempérament. Sur la voie montante, c'est-à-dire d'y aller vers Toulouse, il y avait un petit hangar, une guérite, qui abritait les voyageurs voulant monter ou descendre du train. Et il y avait à côté de ce hangar, de cette guérite, un autre bâtiment indépendant. Ce bâtiment indépendant avait pour nom, écrit en son milieu, l'ampisterie. Il fermait à clé. C'était là que les cheminots de service entreposaient les lanternes pour éclairer les trains devant et derrière. Et cette lampisterie, évidemment, contenait du liquide flambant, du liquide dangereux. C'est pour ça qu'il était toujours fermé à clé. Je crois que j'ai à peu près terminé pour le rôle de la gare, mais j'ai gardé quand même un point particulier pour le final. J'ai parlé du quai de la Pierre au nord de la voie ferrée. J'ai vu fonctionner ce quai de la Pierre. Il assurait le transport de ce matériau depuis la carrière à la limite de Saint-Pierre d'Aurillac et de Saint-Martin de Sescas. Il y avait une carrière exploitée par une entreprise, peut-être probablement que nous reviendrons là-dessus un jour ou l'autre. Par l'entreprise Léon l'Espèce, parce que c'est un homme dont il faut parler à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc, laissons l'homme de côté pour le moment, nous en reparlerons, ça vaut la peine. Mais regardons le côté matériel. J'ai connu enfant un conducteur de chevaux, il n'avait qu'un cheval, c'est pour ça que j'ai hésité, un conducteur de chevaux qui chargeait dans un wagonnet à la carrière les pierres et qui le cheval attelé au wagonnet sur rail, je me rappelle des rails, on les a enlevés dans la décennie 1920-1930, plus près de 1930. Et ce conducteur de chevaux, il arrivait à la gare de Saint-Pierre, il ne quittait pas la route, il y avait un quai approprié. Il faisait basculer le tombereau, le wagonnet, sur la plateforme du wagon. Et c'est comme ça qu'en contrebas, les wagons se chargeaient pour direction Bordeaux. Et quand le wagon était à peu près plein, à peu près les blocs de pierre à peu près arrimés, la manœuvre avec la locomotive, et puis après, ma foi, jusqu'à Bordeaux. C'était un revenu intéressant et pour lui et pour plusieurs spécialistes qu'on appelait les carriers et les tailleurs de pierre. J'ai connu à Saint-Pierre-d'Aurillac
des tailleurs de pierrot, je n'en ai vu qu'un, pas longtemps. C'était un monsieur Audubert, je l'ai connu un an, peut-être deux ans, j'avais 7 ans, 8 ans, parce qu'après, il avait fait une proposition, il est devenu cantonnier à Saint-Pierre-d'Aurillac pour entretenir les routes. Ces voies, c'était uniquement près de la gare ou c'était tout le chemin? Ah, pardon, les wagonnets, la voie ferrée desservant ou permettant la circulation des wagonnets était tout le long de la route. Tout le long de la route, depuis le fond de la carrière au ruisseau de Panchette, là il y avait une petite pente, et après au virage. Il y avait un virage, une courbe prononcée, direction la gare de Saint-Pierre-d'Aurillac. Alors, en gros, c'était l'itinéraire route départementale depuis la carrière, route départementale de Saint-André-du-Bois, ensuite le chemin de Douat, qu'on appelait vulgairement ici le chemin de la Charentaise, et puis la gare, le rattrapage de la route départementale en haut de la maison Ramillon, là, et puis à l'arrivée devant Christophe du Lac, et tout basculer dans la plateforme du wagon. Et le Robert du Lac, le fameux charretier, il revenait avec son wagonnet vide, il rechargeait, il revenait à la gare. Il faisait 5, 6, je crois qu'il n'était pas à l'heure. Hein. Mais toujours 3 voyages le matin et 3 voyages l'après-midi. Oui, c'est important. Robert Dulac, même son père. Mais je me rappelle très bien de Robert Dulac, il est décédé, mettons, entre 1955-1960. Il a un fils dans la région d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, je l'ai connu. Voilà où nous en sommes. Je crois que je n'ai pas oublié grand-chose sur l'activité concernant la gare de Saint-Pierre-d'Aurillac. Personnellement, j'ai pris le train avec mon père qui m'a conduit plusieurs fois dans ce quartier de la gare Saint-Jean à Bordeaux, tout gosse. Je m'amusais à monter les trains, les ponts qui passaient au-dessus de la voie ferrée jusqu'à Bègles. Si mes souvenirs étaient bons, j'en comptais à chaque voyage 11. Parce qu'il y en avait encore. Il y a beaucoup de ponts sur l'autoroute maintenant, mais il y avait autant de ponts routiers. La voie ferrée passait en bas et la route en haut. Bon, tout ça, ce sont des... Et vous avez une idée du prix du ticket? Ah oui, il y avait d'abord la première classe, la deuxième classe et la troisième classe. C'était dans l'ordre des gens vivant dans notre société à l'époque. Il y avait donc un clivage. Et ce clivage, malgré toutes les réformes, malgré toutes les, comme on a appelé après, les conquêtes sociales, pas encore arrivé à le supprimer entièrement, mais enfin, laissons faire le temps, ça viendra, comme on dit, un jour ou l'autre. Mais le prix du ticket, c'était relativement bon marché. Et alors, il y avait des faveurs pour les familles nombreuses. Il n'y avait pas la carte rose ni la carte bleue comme maintenant, mais ça existait. Les familles à partir de 2 enfants qui prenaient un billet familial, ils avaient droit à des réductions. Quant au prix comparé, par exemple, le voyage de Saint-Pierre à Bordeaux maintenant, je crois qu'aller-retour, d'après mon gendre, on en parlait souvent, aller-retour c'était 12 euros maintenant, je crois.
Saint-Pierre-Bordeaux. Mais à l'époque, bon, 12 euros, 1 euro, mettons 85 anciens francs. La valeur du franc a tellement changé depuis 1925. On parlait 1 franc, aller-retour, 2 francs au maximum. 1 franc, rien à l'époque. C'était l'équivalent, il faudrait voir l'équivalent, quoi. Il faudrait voir l'équivalent à l'époque. Là aussi, il faudrait faire des recherches sur ces fameux francs qui ont été dévalués. Ça m'a passionné durant toute ma jeunesse, ça. Ça faisait partie des cours d'économie politique à l'époque, de comptabilité. Mais là, je dépasse l'emploi du temps de la journée. Prévu pour aujourd'hui. On risque d'y revenir, parce que je risque de le mentionner un jour ou l'autre.